ويثيدي دي تولي انتي كو سانك والسنة كي كان يرد يبضي ونو سالين يون الأخبار يسقراحا ذاك يون كني ذاكاز أمغناس ديك سكوا سنين 60 70 تولم ديو تدويلت منخدم ماكني محمد ايت احمد مس شفام مس ديو تدويلت شكون مبودا مسلاي طس طس عرف تمز كوتني يدخل من استقباليت محمد بون تافاليز نومارو ام فران كاتب ياسين نو درد كني كرا قسم مروني تسكان دي سكوفني ويدي شفان كي كرا عمر مزداد حسن حراش دويار ماشا لا نسمعو نظن دندرين نسمعو نسن كيرسن سعيد دومان صالح ودادا ازغو لوكاد دارني الا يوان وكي دكتور علي اوبادي بظن سان كايكو نوض وسالكي موت ثاني سي تلويث هي نساولاس نساولاس ود من تليفون محمد ايت احمد ايتسنان وكني غادي مسلاي في اللاس ازول فلك يا محمد ازول الناس فلك ابو حمد ثولات سليد سمتانت ان دكتور علي وبدي تخمضي ذا تشكفني محمد بورتافاليز سنت مليح ويفنا ضحكوا في اللاس ها اش راك نير جادي نير سي علي وبدي سي تون غوس بارت سي غوس بارت باسكو سي كيلكان كيلكان On a milité dans des conditions très compliquées, très difficiles. C'était notamment donc c'était la star de Ben Akhloun quand on avait monté Mohamed Plantavalis. Alors, tu sais que on a discuté la dernière fois. Là, je vais en Kabylie à un moment où. Où l'arabisation battait son plein. Donc, perdre un ami comme ça, ben c'est très difficile. Oui. Oui. Donc, Chinien, Mohamed, Youth and Souther, la même génération, خما ماكني اوي فلا ضحكوا محمد امتي كان يدي لا الكونتاكت كتشيني الدكتور علي وبادي ça veut dire que bon il était je me suis dans le groupe néon de la troupe et je me souviens lui avait donné je me souviens lui avoir donné un rôle qui était à contre-emploi par rapport à ce qu'il était en tsar. Il jouait le rôle de Boudinard. Boudinard, c'est un personnage, c'était une espèce de collabo de soi à venir durant la période coloniale. Et il était devenu collabo aussi à l'indépendance. Parce que bon, le FLN a remplacé ceux qui étaient partis. Donc, ce qui était assez, assez intéressant à ce moment-là, c'est que je lui avais donné donc, un rôle qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il était en réalité à Al-Obadi. C'est-à-dire que dans la vie, bon, c'est quelqu'un qui est. Sur lequel on pouvait compter en tant que militant qui s'engageait à fond dans ce qu'il faisait et ce n'était pas du tout le personnage qu'il avait à jouer, quelqu'un qui devait exploiter ses semblables. Et c'était donc à ce moment-là qu'on s'était vraiment bien connu avec d'autres militants. Et ce qui était, ce dont je me souviens aussi, c'est que il avait, comme il avait une carrure imposante, c'était quelqu'un, j'avais l'impression qu'il rassurait
tous les autres membres de la troupe, quand ils voyaient, quand les autres amis voyaient que Ali Mamadi était parmi nous aux répétitions. D'accord, d'accord. Finalement, docteur Ali Ouabadi, il a fini par accepter le rôle de Boudinar. Oui, tout à fait. D'accord. Et Daïd Mohamed Tounes? Ah oui, il était avec nous enfin, jusqu'aux dernières représentations de la pièce à la fin des années 1974. Et c'était d'ailleurs, comment dire, d'ailleurs, Mkinyan, je ne l'appelais pas Docteur Ouabadi, je l'appelais Maître Ouabadi. Maître Ouabadi, en référence justement au rôle qu'il jouait dans la pièce à ce moment-là. D'accord. Ok, je comprends. D'accord. Donc, après, Est-ce que depuis, il y a eu des contacts avec Mohand? Non, il n'y a pas eu vraiment de contact après parce que Mkuliwon est mis à niveau de Karmouja. Voilà. Qui n'est pas au fait de manier de la guerre, ça, et même, donc, de Dina, de Mosra, de Souar Tartayor. Mosra avait la guerre de Noir, de Armée Nekagin, la situation est bien, le Covid, le Qsam, voilà, et puis voilà. Il y a une chose dont je me souviens de souvenir, c'était Maradona, quand c'est la fin de la semaine, tous les étudiants de la troupe repartaient en Kabylie. Tous repartaient en Kabylie, sauf lui et moi. Il n'y avait que nous deux qui restions à Alger. Alors pourquoi? Eh bien parce que mes parents étaient à Oran, donc ils étaient à 400 km, donc y aller tous les week-ends, c'était pas facile. Et lui, en fait, c'est parce que il était l'un des rares de la troupe à être algérois. À être algérois parce que, ça je l'ai su plus tard, parce qu'en fait, sa famille était venue, je crois, vers la fin des années 1890. Donc, en fait, il était le seul à être algérois et tous les autres. Donc, le week-end, c'était samedi dimanche. Eh ben, chaque samedi dimanche, tout le monde repartait. Tous les étudiants repartaient, les étudiants de la troupe en tout cas, repartaient en Kabylie, sauf lui et moi. Donc, on était sur Ben Aknoun. Et ce qui était assez intéressant, parce que que j'ai vu, que j'ai compris ensuite avec Ali Ouabadi, c'est que il est là aussi l'un des rares. Ou vraiment, c'est vraiment une exception de ces familles kabyles qui étaient venues depuis très longtemps s'installer à Alger et qui sont restées berbérophones, dans ce pays.
خاطر خير لانج القبائل الجوسان سيزيك الجزائر المسلمين كلها تنطاق ألا فكني ولا لا فامي لا لي بابا دي اي غادون سوستريلي الو كوليا راكو نزيمو شنتنا واحد احقار دوبي بلوس دوبي بريسك ان سيكل كي لاندينا خاصة كني لي غاتمثلني شي كل غادون سوستريلي الو كوليا فيديو سنهم بعد وبعد سن ديو سنه الجزائر خير ما ديك السن تصدق بعليث هذا طاعت et en fait je crois que j'ai compris un peu l'originalité de cette situation de ce que enfin de la position politique intellectuelle de Ali Baba dit c'est que il m'a semblé, enfin, en tout cas, j'ai entendu ça aussi, qu'il avait des parents, Khalis Okhila, qui étaient très impliqués dans le mouvement, dans le mouvement berbériste des années 40. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que déjà, nous venions, c'était des berbéristes. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'avaient pas, Ali Wabadi, ils n'avaient pas attendu que l'on arrive, du coup, avec la pièce de théâtre, avec notre discours berbériste pour qu'ils nous rejoignent. Ils l'étaient déjà. Ils l'étaient déjà. Et comme en plus, c'est quelqu'un de très quelqu'un c'est quelqu'un de très discret ou de borofana donc au dictionnaire même lui on a marqué il y a quelqu'un qui marque sur le choix de guerre c'est ma gère de guerre Zayn ou bien Islam déjà. سيدت وكاين ام محمد دانو صغيران اللي كاين ام محمد زرتو كان باللي الدكتور علي هو باديت تاع الجيروا كاين جو بونسي سي تي دارت اف بوهيني مشكو خدنا ديري كفامو سانيس دي تموت القبيلي راه حي هذه خدمنا لا originalité par rapport à l'environnement de Suatnir. Alors, donc, Ntsang, il s'est distingué de nous tous par le fait qu'il était algérois, et ensuite, il s'est distingué des Algérois par le fait que, dans ce genre de situation, les Algérois, ils restent à Alger, et ils sont très rares à vouloir retourner en Kabylie, comme il a fait Ali Wabadi. Khatam Tsang, il l'a fait encore une fois par mise, parce que justement, il n'a jamais quitté, il ne s'est jamais éloigné de cet engagement politique qui l'a emmené en Kabylie à un moment où il avait fini ses études, alors qu'il aurait pu très bien, on va rester à Alger, non, voilà. Et ça c'était aussi quelque chose qu'il fallait noter. Et on peut noter aussi d'ailleurs qu'il était vraiment inséparable avec Hammam Zdel. Hein, ils avaient beaucoup de proximité. D'abord, on faisait les mêmes études de médecine. Ils étaient dans la même année à la fac, et ensuite, évidemment, sans compter l'engagement politique que l'on partageait tous. Et je me souviens d'une histoire que quelqu'un me racontait. C'était donc quand on faisait le, quand
Lucas Kahn, quand on faisait les répétitions de la pièce, donc il venait souvent, ils étaient tout le temps là, en tout cas, maître, allez, on va dire, et puis, et donc, on me racontait que de temps en temps, il se taquinait un client sur une petite histoire qui était de savoir qui c'est qui avait raté un semestre de ses études. Et ça montre en fait l'engagement de ces militants qui avaient, assumé des engagements politiques et à mener leurs études. Tout à fait. C'est une espèce rare pour un Mohanda. Ah, C'est pas facile de trouver des gens comme ça. Ouais. En tous les cas, un Mohand, merci. Thani merci, kata sa place, mais tu es un et égide. là, et là, et là, et là, et là, je dois dire que je pense à la terrible épreuve vécue par deux enfants de maître Ouamadi. Ces deux enfants qui sont en France et qui n'ont pas pu assister, qui n'ont pas pu aller voir leur père une dernière fois. Je pense aussi à son épouse, à la famille d'Anne Wabadi, à nos amis communs. Je pense à Momsdad, à Domen Saïd, qui eux étaient sur place. Et aux autres qui, comme moi, n'ont pas pu quitter la France, je pense à Hassan Haraj, à Salah Houdara, et je pense aussi à tous ceux avec lesquels on a traversé les mêmes épreuves. Dernière question à Mohand. Il est né en quelle année, Ali Wabadi? En quelle année, Guiloul? Est-ce qu'il a la même génération que toi? On a presque mis né dans les années 50. Enfin, moi, je suis né en 50. Ça, il est né au Canada en 51. À mort, je ne sais pas s'il est né en 50 ou en 51. Écoutez, on a tous le même âge. On est tous de la même. Voilà. ثاني ميرسيك ثاني ميرسيك موحد ايت احمد دي كي دي كان ثاني جيسيك في دكتور علي وبادين اختنيس ذي تلويث مسكن ويل شنو سيدي قيمنا ودينا قيمه ذي تلويث